16, supprimer l'article 5 et 5.1 devient 5. 17, remplacer le 15 ans par le 6, supprimer que l'anniversaire de la 6e, ajouter le paragraphe suivant. Toute personne ayant des changements morphologiques doit faire la mise à jour dans les deux mois qui suivent ces changements. Changement dû en parallèle à la chirurgie esthétique, quelques demandes, etc. au niveau de l'eau. 18. Ajouter l'article 6 du service ainsi. La carte d'inspiration nationale clinique est conçue avec un intérieur résistant au solvant et à la contrefaçon, ayant une supérieure à 10 ans. Et 6 devient 6.1, 6.1 devient 6.2. 19. À l'article 6.1, remplacer mention de l'acte par comporte. Modifier petit d, petit c, petit d. Ajouter petit k, petit l, petit n et petit m. 20. Au point c, remplacer biographique par biométrique. Deuxième paragraphe est ainsi modifié. Si une personne ne peut apposer sa signature ou s'il est impossible de relever ses empreintes digitales, constat en sera dûment établi par l'Institut du bien-être social et de recherche, l'ISER, ou la Secrétaire d'État aux personnes handicapées et l'opérateur de saisie de l'Office national d'identification, ONI, fera la mention dans les informations biométriques contenues dans la puce intelligente. 21. L'article 7 est ainsi modifié. Remplacé est chargé d'attribuer par. Est le seul habilité à appuyer. 22. Supprimer l'article 8, déjà inscrit à l'article 2.1 et l'article 9 devient 8. 23. À l'article 8, remplacer recueillera par recueil. Remplacer la forme du certificat de naissance contenant le numéro d'identification nationale unique. La forme du certificat de naissance contenant le numéro d'inscription dans la ligne, par d'adoption, de décès, de mariage contenant les données du registre de déclaration et le numéro d'inscription nationale unique. 24. Pour la commission, Bérisé Monet, président, Bérisé Augustin, vice-président, à l'ordre. Monsieur le président, je vais prendre acte pour la bonne adoption. Merci. Vous êtes accordé, collègue, la carte d'identification nationale unique, signée, et pourtant je la réclame. Vous avez le résultat de l'idée. Donc, je vous demande rapidement au deuxième secrétaire de prendre les dispositions pour regarder la salle si le quorum est constaté. Après ça, on va rapidement passer au vote. Donc, merci de constater le courant, s'il vous plaît. Président, pas du tout. Allez-y, premier. 61. Le courant est constaté. Donc, les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Des députés qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Thank you.
Merci au monsieur Peter de donner le décompte. 44 pour, 1 contre, 15 abstentions. Donc, le rapport est adopté. Il y a une position qui fait que l'autre pays, même si il est plus gros, il est plus puissant, il est obligé d'attendre nous. Donc c'est du CARICOM et c'est raison d'être de CARICOM qui fait que nous-mêmes nous la donne. Qu'on y est, depuis 1er janvier 2018, Haïti a assuré la présidence de la CARICOM. Son présidence tournante, côté chaque 6 mois, un pays, parmi les 15 pays de CARICOM, un pays qui a assuré la présidence là. Et le président, le chef d'État, ou le chef de gouvernement du pays, c'est lui-même qui président CARICOM. Qu'on y est là, c'est le président CARICOM, c'est son excellence, M. Jovenel Moïse, l'a assuré la présidence là jusqu'à 30 juin. Et c'est raison ça tout qui fait réunion des chefs d'État et de gouvernement a fait en Haïti. Il y a deux réunions qui fait par année. Chaque fois qu'on présidence d'un pays, il y a une réunion qui fait. Donc, il fait en février la première et en juillet la deuxième. Donc, notre la semaine prochaine, à partir du 26, lundi et mardi, on a bien tout chef d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui viennent en Haïti. Ça prend un gros bagage pour nous et côté n'a pas recevoir tout dans la réunion ça. Et quand il y a un pays tout qui ont même proposé pour venir rencontrer avec nous, tellement on connaît que nous important. Donc n'a un pile visiteur là quand nous à raison de ça, c'est une belle opportunité tout pour nous capable montrer ça Haïti est. Et ça a été café. Donc, pendant ma parole là, m'a profité pour moi capable d'inviter la population à participer dans la réunion. Ça, participer comment? C'est à accueillir mon yo avec toutes les traditions qu'on gagne d'accueil, de faire visiteurs nous sentir à l'aise en Haïti et bon gens dans qu'on a dit pour sortir après deux jours, trois jours que j'ai fait, ils sentir content et que ils veulent retourner encore. Parce que généralement, ces genres de réunions internationales sont façon pour promouvoir le pays, pour faire monde connaître le pays. Donc, le monde dit, pas de venir dans le pays pour qu'on le les journées de réunion internationales, côté le qu'on est, tout en infrastructure qui prêt pour lui, donc il prend chance de venir. Et là, il vient le découvrir le pays, hein, j'en ai recevoir, il vient content qu'on y a l'endroit tourné, il vient mener famille, il invite les amis, il vient. Donc, la population qui participe, tout ça, le capable pour capable faire que nos visiteurs, les dignitaires et tout ce monde au Cap Vini pour quitter Haïti très satisfait de l'accueil que nous avons bâti. Son conférence de deux jours, 26, lundi 26 et mardi 27. La précédée le vendredi 23 dans de réunion qu'on causerie organisée par le ministère du Commerce sous intégration d'Haïti dans le commerce et de la CARICOM. Ce qui est très important parce que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous, en petit gens, pourquoi capable de pénétrer les marchés des pays de la CARICOM, son travail qu'a fait, son travail là, parce que même au niveau de CARICOM, il y a une discussion sur ça, pour que l'intégration vienne beaucoup plus complète, pour que une série de bagailles qui fait le mouvement des personnes et des biens pour qu'a fait au niveau de tout le CARICOM. Programme de réunion ça, nous avons commencé lundi. C'est vrai, un cocktail de bienvenue qu'a fait demain dimanche que le président de la République a offert à tous les délégués qui ont participé. Ensuite, point important que d'a gagné, c'est gestion des désastres. Ça, c'est une préoccupation très grande, très importante des pays de la CARICOM. Donc, nous pourrons discuter de ça. Et en même temps, président, depuis longtemps, depuis après, depuis le monté et dans le pouvoir là,
sont questions que la débat à chaque fois. Donc on point relé, une assurance que qu'on bail pour pays pays la Caraïbe pour leur désastre passé pour bail une sorte de compensation. Assurance à les très minime. Nous connaissons question de 23-24 millions de dollars lors d'un désastre. Or, il y a des désastres qui ont fait des milliards de dollars. On prend le cas de le cyclone Mathieu qui est passé tout zone sud-là. Nous avons des désastres qui sont évalués à 2,3-2,4 milliards de dollars. Et puis, il y a une compensation de 24 millions de dollars. Donc, le président a plaidé pour qu'il y ait une montée prime assurance que le pays Caraïbes. Donc ça c'est un point important que c'est ça c'est Haïti président même qui m'a demandé pour que point ça à l'ordre du jour de réunion. Pour mon temps il est autour de 40 millions de gouttes, mais c'est pas un montant que nous son budget prévisionnel, mais c'est pas un budget que nous connaissons qu'on va dépenser là 100%, c'est au fur et à mesure, parce que nous connaissons en Haïti gain les chiffres, parce que nous connaissons en Haïti gain les chiffres, chaque fois on parle des chiffres les fait mon peu. Et l'état intéressant tout pour aller dans les détails pour capable essayer comprendre, parce que bien que c'est Haïti qui a accueilli, nous gagnons pour nous louer véhicule ou bien utiliser véhicule, nous gagnons pour nous prendre en charge tout chef d'État et de gouvernement qui a rentré en Haïti. Ça veut dire que pour le moment, et sur les données que nous avons pratiquement, en bas du chef d'État et de gouvernement, chef de délégation, nous avons pratiquement 15 monde que c'est l'État haïtien qui a payé hôtel pour eux pendant 5 jours, parce qu'il y a guerre qui a commencé à venir depuis 24 jusqu'au 28. Déplacement, nourriture pour délégation, parce que là nous-mêmes dans notre pays, délégués, nous avons besoin de manger. Nous connaissons en Haïti coût, comment ça représente. Ça veut dire que tout ça, c'est un ensemble de dépenses qui peuvent être faites dans la question de restauration, hébergement, transport. Mais pendant que nous avons mis quoi, nous avons une annonce qui est très importante pour nous faire la population. Et Haïti va recevoir chef d'État, ça veut dire qu'au niveau de sécurité, on a ensemble de mesures que la police nationale peut prendre. Et qui peut sous-entendre tout par des blocus, des routes qui peuvent fermer, des circulations qui peuvent réduire à des temps donnés. Et la police nationale ne va pas parler pour eux, mais ils ont gagné au cours avant fin semaine d'arrivée pour communiquer à la population comment la circulation peut être faite, parce que les paralysants ont une restriction qui peut être faite. Invitation. Ministre enseignement supérieur Cuba, nous allons dans nos ministères, dans notre délégation, pour nous participer dans un gomblé, un sommet ou un colloque international et qui a fait sous enseignement supérieur avec question développement durable. Donc, il était déroulé du 12 au 16 et dans Cuba, côté nous avons plus passé 2000 participants. Et parmi eux, des ministres, des vice-ministres, des recteurs d'université, des chercheurs, des professeurs, voire des étudiants, des maîtres. Et c'était un blé qui était capable de mettre nous tous, faire un pile échange, c'est un pile partage. Et côté, par exemple, un pile gros chercheur qui fait on sait de gros travail, il est venu partager là avec nous. Ils viennent partager ensemble. Donc, nous capables de dire que c'est un cours, c'est une sorte de capable même dire, une sorte d'apprentissage tout. Parce que il n'a pas appris l'autre. Il y a un pile chercheur qui fait des recherches innovantes, qui tout neuf, et bien, ils viennent partager avec nous. Et non seulement ça, c'est aujourd'hui dans le monde. Et nous avons saisi la même occasion ça, pendant que nous avons frotté connaissances, nous avons frotté l'idée, nous avons fait échange d'expérience avec ministres, avec recteurs d'université, avec chercheurs. Mais en même temps, tout nous-mêmes, nous avons saisi l'occasion parallèlement pour nous faire de gros contacts. À rencontrer en pile et l'autre monde, tant que par exemple, nous avons fait un gros chit attendé avec le ministre enseignement supérieur dans Cuba, qui lui-même montre nous l'amour qu'il y a pour le pays d'Haïti. Non seulement pour le pays d'Haïti, mais il fait nous connaître tout que la Cali à Cuba, il y a un pile respect pour les étudiants haïtiens qui ont étudié Cuba, pour performance, pour discipline. Li même fait me connaître grand pile ancien étudiant qui toujours était lié à elle. N'a pas rappelé que ministre enseignement supérieur Cuba actuellement, et bien monsieur tout il était recteur de université dans Cuba. Donc il grand pile contact il fait.
Nous avons rencontré tout avec le ministre de l'Éducation nationale de Cuba. Donc, contrairement à nous-mêmes à Cuba, non seulement il y a deux vice-ministres, il y a l'autre monde qui est dans l'éducation, tout, mais il y a un ministre pour l'enseignement supérieur, il y a un ministre pour l'éducation nationale. Dans un rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale de Cuba, qui est une dame, eh bien, nous avons parlé en pile. Nous avons parlé de l'accord Haïti qui est signé déjà en 2014 et qui était implanté, eh bien, question alphabétisation. Et tout récemment, nous avons une délégation secrétaire d'État alphabétisation qui est rendue en Cuba tout. Et côté, en décembre qui va venir là, on va faire contre ça. Et nous déjà négocié pour nous continuer. Mais nous allons regarder tout comment nous allons priver, mettre bout à ça, nous allons alphabétisation. Pour continuer des adultes. Donc nous avons pile bagaille en perspective avec. En dehors de gros personnalités, nous avons rencontré tout avec un député Roumanie, qui est ancien premier ministre Roumanie, actuellement lycée recteur d'université, on cherche tout. Nous avons parlé avec un pile de problèmes et toute perspective nous-mêmes pour l'université en Haïti. Et nous avons tout profité de ces occasions pour nous faire connaître que dans le finissement de ça là, et dans environ 2-3 mois, nous allons faire en Haïti une assise pour enseignement et supérieur. Donc, côté, nous allons faire gros réflexion sur question enseignement supérieur en Haïti. Nous avons rencontré tout avec quelques personnalités, tant qu'ambassadeur Émirats Arabes Unis et qui trouvait la Cuba. Et bien lui-même qui promet pour nous-mêmes dans l'éducation et le pays d'Haïti, gros bourrade dans affaires et nouvelles technologies et formations. Et en même temps, tout, et question énergie renouvelable. Nous avons rencontré un ambassadeur de la Roumanie en tout, qui c'est une dame, et bien, qui lui-même sont ingénieurs, un spécialiste, qui même annoncé nous que l'intégrer en compte avec chef l'État, son excellence Jovenel Moïse, côté très prochainement, il est pour le rentrer en Haïti, il mettre au service PIA expertise dans le domaine. Donc c'est tout bagage que nous avons fait dans Cuba et nous venons tout avec des perspectives et pour nous porter tout des changements en dans sa nouvelle université dans le pays d'Haïti. Et pour l'histoire, il faut que nous rappelons que nous n'avons pas d'université en Haïti, nous jouons dans la machine, nous avons plusieurs entités. Nous avons d'abord l'université de l'État d'Haïti, UEH, qui lui-même a environ 22 institutions supérieures là-dedans, parmi les 10 facultés. Et l'autre, c'est l'école supérieure, et bien, l'université à Libère, mais il y a une autonomie et indépendance que la Constitution balle. Et depuis en 87 avec la Constitution 87. Maintenant, nous avons une université ou une école supérieure privée, qui dépend du ministère, c'est lui-même qui contrôle. Nous avons toutes des écoles supérieures que le ministère lui-même a créées. Et en dehors de ça, nous avons une université publique en région, les UPR, qui au nombre de 10, je vous dis, côté, nous jouons longtemps dans le pays d'Haïti, avant l'existence des UPR, et bien, tout le monde qui est dans la ville provinciale, qui est dans l'autre département, est obligé à passer misère pour entrer dans le prince, venir chercher paix et instruction. Mais je dis, dans tous les 10 départements, excepté dans l'ouest, côté IEH, la Blaïkol, et bien, dans tout le département, dans l'autre 9, et bien, nous jouons l'université publique en région qui est là, qui est dans plusieurs facultés. Donc, dans la Tibonite même, il y a deux. Il y a une dans CEMAC avec une dans Gonaïve. Et Jodia a travaillé très bien et n'a gardé moyen tout pour nous si avec le temps nous capables de multiplier l'université publique en région Sahel dans le pays d'Haïti. On connaît 18 mai, c'est l'hypothèse du charrier réel et un paquet d'événements. 18 mai, c'est d'abord, nous parler de fête drapeau. 18 mai, tout c'est fête de la jeunesse. 18 mai, tout c'est fête université. Donc nous voulons saisir l'occasion 18 mai, même si ce n'est pas dans le même jour 18 mai. Nous parlons de Gali, mais dans le mois de mai, donc nous avons fait réflexion sur ça pour nous capables de faire assis sur l'enseignement supérieur. Donc nous ne pouvons pas aller trop loin de 18 mai, qui lui-même, c'est une journée qui est consacrée à la question et nous capables de dire et université. On peut accompagner brigade de sécurité et en protégé. Après notre là, le ministère du gouvernement de l'Université de sortir, nous avons pris le soin que tout le monde est au courant de notre plan et que nous avons commencé l'opération pour faire respecter notre qui est sorti, qui est interdit à monde à la carrière sable, surtout mon Akabri. Nous avons fait l'opération 26 janvier 2018 après que notre là, est sorti le 15. Nous avons fait 3 arrestations
Et trois mounsaïos nous ont interpellé, nous te remettons à la justice pour les suites légales. Le 20 janvier, nous faisons l'autre opération. Le 24 janvier, nous faisons l'opération. Il y a 5 personnes qui sont accompagnées de la justice. Nous remettons 5 personnes à la justice pour les suites nécessaires. Le 1er février, nous avons interpellé 6 individus. Donc, 6 individus ainsi que des saisies de matériel, tant pour plaques, batteries et pelles, et que 6 personnes toujours ainsi que matériel, nous remettons à la justice pour les suites nécessaires. Parce que si brigade-là, accompagnée de la justice et la police qui est dans la mission, servir protéger, nous pas là pour nous protéger l'environnement, pour nous faire loi ça respecter, comme déjà a dit, nous avons tous les dégâts que Bonne Cabrit a causé. C'est ça que fait nous-mêmes à chaque fois que nous montons dans l'intervention. Nous, toute interpellation que nous fait, nous toujours mettre tout le monde à la justice pour les suites nécessaires. Le 20 janvier, nous avons fait 3 arrestations. Et que Mounzao, dès que nous remettions à la justice, nous n'avons pas gagné en lien. Ces mêmes gens, le 26, opération en nous fait. Il y a des matériels pour nous descendre avec eux. Vu que nous gagnons, nous n'avons pas de trop gros et nous n'avons pas de monde pour qui manipule, nous sommes obligés de quitter eux en roi. Mais c'est ça que fait nos jours, nous prenons batterie. Du moment où nous prenons batterie, ça veut dire que nous n'avons pas de descendre. Dans différentes interventions en fait, que nous faisons, en fait, nous apprécions. Comment en fait mon population a accueilli l'intervention. Et l'aller jusque plus loin même, que nous remarquons d'un pile jeune qui m'animait en fait l'intention qui ont fait partie de brigade là. En fait, nous apprécions ça en pile. Et chaque jour, après d'un pile qui vient là, penser que vous avez employé. De recruter. Cependant, pour nous anticiper, nous partageons mais que en fait des intentionnés exploiter en fait bonne intention de nous soit pour manipuler pour prendre l'argent sur nous. En fait, ça n'a pas mis nous en garde parce que nous recevons un pile coup de fil. Quel que soit côté brigade là, en fait, et cantonné, en fait, il a demandé qu'il ait agent ou qu'il ait pu venir faire badge. Tant, c'est parce que nous estimons voir faire de badge qui a distribué dans la rue. Ce qui est intention pour distribuer, en fait, dehors. Nous mettons tout le monde à en garde. C'est nous-mêmes, en fait, directeur général là, des dispositions pour le prendre, en fait, pour nous en fait, livrer de nouveaux badges, pour, non seulement pour l'agent que nous là et pour des nouveaux en fait, recrutements que nous avons pour nous faire. Mais en fait, nous pouvons là. Nous pouvons là. C'est-à-dire que tout le monde qui a un monde à aborder, pour demander l'argent, pour faire partie de brigade de sécurité des aires protégées, en fait, c'est faux. En fait, là, nous revenons pour nous faire de nouveaux recrutements. En fait, notre absorti dans la presse, tout le monde connaît, en fait, il y a beaucoup de critères de sélection. En fait, nous avons ça clair, clair pour tout le monde. Et que dans la brigade, ça, en fait, il y a une pile disposition qu'on prend pour nous en fait, restructurer. En fait, tout le monde connaît. Et la publique. Et M. Tito dit que pas de l'argent qu'a bail pour le monde fait partie de nos corps, l'État. Ça, d'ailleurs, il fait partie de ce service-là, qui a exploité, qui a pris l'argent en main,
Vous dit qu'il y a mis dans le service là. Ça, c'est faux. Archi faux. On nous entendait, en fait, bon bagaille comme ça dehors. Brigade de sécurité des aires protégées, hein, qui est dans le ministère de l'Environnement, dans le temps, où il y a le corps de surveillance environnementale. Avec la création, la transformation de l'ANAP en direction générale, le ministère de l'Environnement a transféré le corps de surveillance, hein, qui vit une brigade de sécurité des aires protégées en dedans ANAP. Nous avons une mission pour nous veiller, sécuriser, protéger 25 aires protégées qui sont officiellement déclarées. Et nous avons des autres zones qui ne sont pas déclarées aires protégées, mais qui nous obligent d'intervenir sur eux. Par exemple, le cas de Monacadri, sous instruction du ministre de l'Environnement, et nous faisons intervention ça et nous continuons à faire pour nous assurer que nous sécurisons les zones pour nous ne pas couper les bois. Nous avons une mission aussi et nous encourager ça pour faire ça nous la conservation du sol. Parce que je dis à nous, voulons que c'est clair pour tout le monde. Mon hôpital qui dans le temps te représenté réellement sous ce côté toute l'eau sortie pour alimenter Port-au-Prince. Nous connaissons, il commençait des jalousies à Carrefour. 80% de l'eau que nous te conduisons dans le Carmel, que je dis à ce dîner pas, c'est dans le monde ça est sorti. C'est la source ça est au sens. Et bien je dis, l'étude que nous faisons, pouvez-nous 90% dans sous sale sèche. Raison, c'est parce que pied-bois nous couper, la construit dans mon lieu de manière anarchique, eh bien, ville-là vient menacer. Et si le ministère de l'Environnement, à travers brigade qui a suivi les zones sale, pas prend les dispositions nécessaires, eh bien, nous s'enlève pour nous parler de l'eau, pour nous servir. N'importe où. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous décréter une permanence pour nous, toute zone ça, pour nous donner la protection que nous avons besoin. Et je vais profiter pour vous dire, nous avons gagné 2 jours de reboisement que nous avons fait pendant la période Mardi Gras. Nous avons l'éogan avec brigade de la côté, nous avons mis dans la terre 7000 plantilles. Jour Mardi Gras, nous sommes dans l'hôpital, côté nous sommes dans terre encore 7000 plantilles. Mais constat nous fait au niveau de mon hôpital, nous constatons qu'il y a des gens qui ont l'argent dans le gros l'argent, qui achètent des tracteurs, gros matériel, qui ont coupé le monde pour faire lotissement. Pendant que nous voyons que le danger qu'elle représentait pour la population. Et bien, je dis, nous disons que les gens, quel que soit, non, secteur qui la partie. Depuis choisi, depuis on choisi, violer espace ça, eh bien, l'État a correspond avec nous. Nous jouons tout. Il y a des policiers qui ont même entré dans la même logique là, prennent des armes, utilisent des armes que l'État baille, pour aller saisir l'État ça, envahir avec la population. Nous faisons une intervention. Et principalement dans la zone de l'ici, côté que nous constatons qu'il y a une équipe policière qui accompagne des 3 bouts de la population qui vient envahir l'espace protégé. Il y a une mise en garde par les policiers pour nous dire que nous déjà prenons disposition et nous avons saisi, je dis à même, l'inspection générale contre eux. Et c'est de même, nous avons fait. Pour toute autorité, monde qui gagne l'argent dans le qui prend disposition pour faire lotissement fin de ça. Et la profiter pour nous dire tout. L'opération que nous faisons, principalement à Monacadri, il y a une information qui vient de nous, qui dit nous, après l'opération au fin fait, il y a des gens qui ont souterrain, qui ont essayé de rendre la police, inspecteur Bob, il y a instruction pour que. La police enquête sur tout le monde pour nous assurer que
et la police et le ministère de l'Environnement à travers le SAP, dans une synergie, dans les résultats que nous attendons pour nous protéger l'environnement. Parce que nous tous connaissons aujourd'hui, hein, ou pas capable de parler de développement si l'environnement n'est pas bon, ou pas capable de parler de progrès si l'environnement n'est pas sécurisé, ou pas capable d'inviter touristes à venir à la caillou si on n'a pas un environnement qui bloque. Eh bien, je dis, hein, nous prenons toutes dispositions pour que nous fassions respecter l'autorité de l'État dans tout ça qui vient pour eux avec la question environnement. Merci. Bon, laissez-moi dire, dans la première interpellation, ça a été faite principalement à Monacab. Je prends le cas la boule, pour la boule, j'étais prendre disposition de faire mes carrières, nous mettre agents sous place. Dans ce sens, ça ne va pas intervenir. Côté nous faire arrestation, c'est le nous faisons la décision. Le ministère a pris la décision de faire mes carrières et nous avons décidé de continuer à exploiter de manière anarchique les carrières. Et nous avons dit aujourd'hui, bureau des mines et de l'énergie, communiquez-nous liste site au niveau de Monacabou qui est capable d'exploiter. Et nous allons communiquer exploitant et tout le monde qui de manière illégale a exploité ce site, n'a fermé. Ça qui déclare fermé, n'a fermé. Et ça qui n'a pas autorisation ministère de l'Environnement et qui choisit faire des zones, qui n'a pas autorisation bureau des mines, qui n'a pas rentrée des liens du BESAP, n'a pas arrêté. Pour, avant nous aller, nous allons communiquer avec la presse, liste au niveau de Monacabri qui est capable d'exploiter. Mais m'a dit, nous tournons et nous faisons au niveau monde. Nous constatons qu'il y a environ 17 sites qui ont exploité. Mais dans 17 sites-là, nous avons seulement environ 7 que l'État autorisé pour fonctionner. Et m'a dit, nous, il y a des gens qui ont autorisation pour l'exploiter en côté A et à 7 autorisations. Li ouvri 5, 6 sites la exploité. Et c'est comme on dit nous, c'est nous démonter dans mon annuel, son danger pour la population. Port-au-Prince en danger avec question pilonio. À quelle potence dans un gros malheur qui fait, jour pilon qui a tombé. Et route nationale est incapable de couper à quel porte instant. C'est ça que fait. Nous demandons concours la police. La police avec nous. Nous demandons des concours de population. Et pour finir, ma pensée est mise en garde. À tout le monde qui a fait passer pour des agents du ministère de l'Environnement, de la NAP, du BESAP, qui a fait passer pour des agents du bureau des mines, qui a fait usurpation de titres, eh bien, la police recevra l'ordre formel pour traîner dans le tribunal pour répondre avec Zach. Andy cimetière commune Guadeloupe qui sont ça c'est la Sacré-Ville là et malgré toute bataille nous-mêmes nous fait comme si pour nous retirer Guadeloupe la saleté parce que tout le monde connaît comment Guadeloupe est sale et motivation cartel ça c'est retirer Guadeloupe la saleté aujourd'hui Andy tout le monde qui vivent dans commune Guadeloupe constaté côté cimetière Guadeloupe ils font tourner un site de décharge. Malgré toute intervention, nous-mêmes, la cartel mairie Croix des Bouquets, nous faisons pour nous capables, oui, comment nous sommes capables d'éliminer Fatra, côté mélanger mort ensemble avec Fatra, et nous connaissons les Haïtiens, comment ils sont sensibles pour mort. C'est le sens ça qui fait nous-mêmes, nous devons motiver, nous dire, nous clôturer le cimetière, et puis nous faisons chapelle dans la mi-temps, pour nous capables, oui, comment nous capables d'éliminer le site de Chaisa. Côté tout le monde, dans cette ville-là, des fois, ils viennent mettre Fatra, il y a des gens qui partent en dedans. Comme une croix des bouquets qui vient vivre des fatras en dedans, cimetière croix des bouquets. C'est ça que fait aujourd'hui, nous sommes capables de dire avec un appel d'offres, nous t'es lancé, et il y a un film qui arrive et il y a un appel d'offres là,
et jodi a et travail nous te fait a te quoi des bouquets là cimetière pour nous te capable retirer si déchet fatra ça qui en dedans et cimetière qui en dedans centre ville là qui te représente un défi pour nous jodi a nous dit nous lancer un appel d'offres. Appel d'offres la licence l'écouter pour clôturer cimetière avec chapelle nous va faire dedans l'écouter environ 7 millions de gouttes et ingénieur qui responsable film là dit pour parler pour dire durer à combien de jours combien de mois tout la prend parce que nous même passé et cimetière tout il était représenté une sous de sécurité tout pour commune quoi des bouquets côté nous prendre chita ensemble avec responsable de la police côté gain des kidnapping qui qu'on fait yo utiliser cimetière pour lui même yo capable faire des cache-cou pour serrer monde qui prend yo je dis à nous dit tête nous par rapport avec promesse campagne nous te faire nous vienne montrer population quoi des bouquets chrétienne là que nous respecter ça parce que côté tout et moun quoi des bouquets a tapton pour cimetière quoi des bouquets il est arrivé clôturé donc je tiens à dire au Nicolas au magistrat qui te fait une promesse qui a atterri ensemble promesse il te fait dans niveau campagne je dis à l'appliquer pour commune quoi des bouquets oui c'est ça parce que c'est pas seulement ça on pas garder pour on sait des routes nous te fait promesse sur eux nous respecter eux nous te parlé des et mairie nous travaille la donne place publique là nous travaille la donne et Kafoumara ça tant que j'en nous te dit nous te constaté nous même avec sénateur Jean-Renel Sénatis côté grand place publique qui prend fait et puis avec un sous-commissariat qui capable résoudre problème de sécurité qui te posé tout la Kafoumara ça parce que bataille nous c'est bataille assainissement fait développement bataille contre insécurité tout tout le monde te connaît qui te existe dans la commune Guadeloupe qui fait ça on va relater qui fait c'est notre quoi qui gagne appel de fait est-ce que Kavo est concerné par réhabilitation ça vraiment Kavo est concerné parce que nous ça se fait et appel avec moun qui gagne Kavo dans cimetière là pour yo capable venir travailler la donne immédiatement yo même yo pas travailler la donne nous même yo prêt faire partie et domaine de mérite et quoi des bouquets. Qui existait en de commune Guadeloupe Bouquet mais c'est lui qui débouchait sous Dival 22. Le constate blocus qui était gagné hein, et côté on monde qu'on fait 8 heures de temps comme te dit nous d'aller là blocus si monde qui saute l'école pas capable rentrer la caillou par après des temps petit monde yo pas capable rentrer nous même étant que responsable et nous j'ai le nécessaire que il pas important bon qui existait là et puis il boucher gagne monde qui construit la donne. C'est alors nous té écrit à démoli effectivement moun qui était occupé espace ça qui était déjà yon route yo té retiré kay yo té gagné dans espace ça je dis à nous même nous vinn lancer et route ça que la mairie a construit ses services génie municipal là qui pral construire route ça qui pral aider avec blocus qui existait dans Kafoumara ça qui a débouché sur 125 là mais c'est une route qui a sans signe comme si on route deux voies l'on saute sous tabac 25 côté l'on saute sous tabac pas pris de chance pour arriver sous Kafoumara ça ou après que virer là pour aller tomber sous Dival 22 ça aide les machines qui sorti quoi des bouquets même a passé la dans 25 là qui se Dival là c'est et nous grand route nous pas faire encore côté n'a fait place publique là nous saute lancer sous commissariat côté machine qui sorti dans Santo après main de Kafoumara ça et tout monde connaît blocus Kafoumara ça il est représenté en source d'insécurité pour population chrétienne là et surtout moun k'ap passé la commune en transit côté te gen on madame qui t'a sorti en France et qui te prend en bloc ça le développement dans commune là nous même nous assumer responsabilité nous pour nous retirer bloc ça qui existait dans Kafoumara ça la vie figure quoi des bouquets tant que projet de réhabilitation de cimetière là et projet ça projet de tronçon de route de 104.